Coucou les Scrap Addicts! Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto. J'ai fait une découverte. Je suis super contente. Alors j'ai trouvé ce petit kit. J'ai trouvé Action, bien sûr. C'est un kit, en fait, c'est pour les enfants. C'est pour faire des t-shirts, la peinture textile. Mais je m'en sers pas du tout comme ça. Je m'en sers, moi, pour faire des fonds. Donc j'ai utilisé un papier comme ça, basique, tout simple. Voilà, en grande surface pour faire de la peinture, voilà. Et sur des feuilles comme ça, je pulvérise en fait. Ça se présente comme ça, des petits tubes. Donc il ne faut pas mettre de l'eau. Moi, je m'en sers pas pour faire la colorisation de textile. Donc on ne met pas de l'eau, on se sert de la poudre. Bon, il y en a très peu, mais il en faut en fait une quantité minime pour faire des jolis fonds. Donc on prend notre papier et on vient saupoudrer comme ça. On saupoudre différentes couleurs. Donc il y en a 10. Il y a 10 couleurs dans ce kit. 10 couleurs. Donc on pulvérise le nombre de couleurs qu'on veut. Et ensuite on saupoudre le contenu qu'on veut. Et ensuite on vient pulvériser de l'eau avec un petit pulvérisateur. Et voilà, ça fait des fonds de ce style. Donc ça ressemble un peu au, je sais plus comment ça s'appelle, la poudre du bûcheau, je crois. Ça ressemble un petit peu. Ça fait le même genre de fond en fait. Donc j'en ai fait un comme ça. Ça c'est le premier essai que j'ai fait. Voilà, donc il en faut très peu. Hein. Vous voyez là, j'en ai mis un peu plus et ça, là il en faut très très peu en fait. Ça fait avec de l'eau, ça change un petit peu de couleur la poudre. Et voilà, ça fait des fonds comme ça. J'en ai fait un autre. Alors là, j'ai mélangé pratiquement toutes les couleurs là. Donc ça fait un fond comme ça, un peu original quand même. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. C'est pas tout à fait sec encore. C'est long à sécher quand même. Je laisse sécher à température ambiante. Je ne sèche pas avec un pistolet. Voilà. J'y laisse sécher comme ça. Donc ça fait des fonds super originaux. Je suis contente d'avoir découvert ça en fait. J'ai vu ça sur une chaîne. Je sais plus le nom. J'étais. Oh, j'ai dit. Oh, cette idée. Wow. Donc j'ai essayé. J'étais super contente. Ça fonctionne à merveille. Donc voilà, je voulais vous faire partager ma petite découverte. Donc ça se trouve au rayon enfant, en fait, à Action. Donc c'est pour faire de la peinture sur des t-shirts. Mais moi, je m'en sers pas, bien sûr, pour cet effet. Donc il n'y a pas beaucoup de poudre, mais ne vous inquiétez pas. La quantité qu'on a besoin pour faire des fonds, et en faut tellement, tellement peu que là, ça peut faire plein de pages en fait. Donc c'est super. J'ai découvert ça. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça aujourd'hui. Voilà, je ne vous avais pas montré ça dans ma vidéo hier. Petite cachotière. Et voilà, je vous montre ça aujourd'hui comme tuto. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Moi, là, c'est pratiquement presque la canicule là, chez nous, là. Tous mes chats sont quand même dehors. Ils sont courageux. Bon, eh ben, je vous laisse. À plus. Je vous ferai une petite vidéo prochainement. Bisous, bisous.